Action Totale, 16e rue, à Kips Kia, le pétrolier, et à Marron Multiservice, pièce de réchange pour téléphone, et à Roger Copyright. Donc bon dimanche à vous tous, et également bon dimanche à Yannick Divata et Papa Abedi Molicho de la part de Molicho. Et également, nous saluons tous nos amis de l'espace Température 42 chez Christiana sur l'avenue Univers-Cité. Et oui, donc je vous ai dit que vendredi, c'était la totale. C'était la totale parce que c'était l'anniversaire de la mort de Pépé Calé. C'était également la sortie du corps de Roi Clé. C'est pour ça que sur ce plateau, nous avons Adrisha Tipo-Tipo. Adrisha qui va essayer un peu de nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé vendredi. Mais je vous rappelle que hier, ils se sont unis pour le meilleur et pour le pire. Et oui, et oui, et oui, Henriette Kajinga s'est mariée hier. Elle a brisé toutes les chaînes. Et oui, donc les médisances, tout ce que les gens ont raconté, l'amour a triomphé. Henriette Kajinga et René Makondele, quel couple exceptionnel. Et oui, donc, chapeau, 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 chapeau à vous. Et nous revenons sur ce dossier Sokoda. Alors, suivons ces images avant l'intervention de Adrisha Tipo-Tipo. En effet, après avoir transmis leurs pétitions aux autorités, leur détermination de récupérer les sièges de leur société, à savoir la Sokoda, les administrateurs, les associés, les artistes, les veuves orphelins des artistes décédés se sont retrouvés tôt le matin ce vendredi 28 novembre au sein du siège de leur société 6 avenue de l'OMS numéro 4 dans la commune de la Gombe. Ils ont ainsi pacifiquement récupéré leur siège illégalement occupé par les démis Jacques Mondonga, Blaise Boula et Gérard Mwaka, respectivement anciens PCA, vice-président et DG. Le nouveau conseil d'administration présidé par Paul Mukendi a donc désormais les mains libres pour se mettre au travail afin de relever les défis de percevoir et répartir les droits d'auteur dans les règles de l'art. Nous allons, dans les heures qui suivent, vous communiquer le reste du programme. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les décisions qui seront prises? L'idée pour nous, c'est de mettre fin à l'anarchie, à l'hémorragie financière qui est en train de laminer, de ronger cette société depuis la nuit des temps. Le soulagement, mais aussi les dégoûts, ont accompagné cette journée mémorable à l'occasion de la récupération du siège de la Sokoda par ses membres légitimes à travers une action dénommée « Roi Télé ». En mémoire de l'artiste et musicien Mounianya Di Roitelet, administrateur de la société, abandonné à son triste sort par l'ancienne équipe dirigeante de la Sokoda. Quand même, l'image de l'artiste, ça fait très mal. L'artiste va se couper trop pauvre. Aux hommes qui manquent en mouvement, ils ont bien été. Quand même, il y a un autre service là qui, tout installé, comité de gestion en cycle. Pour te sauver l'image, t'as la maman avec les oiseaux de la Liban, ça fait très mal. Surtout dans ce mois bien, bon, on va jouer à l'lobby. On va se retrouver quand même, on va se comment les autres tantôt qu'on voit jeter. On va se retrouver, mais ceux-là, mes gens droit de terre, on va se retrouver dans le droit dans le bango. La mission va s'organiser bien, on va se faire un bon, on la vie autour. Samedi 29 novembre, les veuves orphelins des artistes décédés sont revenus au siège de la Sokoda pour être reçus et installer à leur manière le président du conseil d'administration. Ouais, au Sénégal.
Ce dossier de la Sokoda. Et sur ce plateau, nous avons Adricha. Alors Adricha, en quelques mots, expliquez Bissot, qu'est-ce qui s'est passé dans l'opération au Roitelet, Tomoni qui avait aussi un peu de violence. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Adricha? Bonjour d'abord Adricha. Bonjour mon frère Duka. Merci à vous. En tant que sociétaire de la Sokoda, voilà. Comme moi-même. Non, alors explique-nous un peu, qu'est-ce qui s'est réellement passé, Mkoloana? Rien n'est passé, c'est juste... merci d'abord de m'avoir accordé la parole. Nous avions fait ce qu'on avait voulu faire, c'est-à-dire tout ce qu'on a, toutes les réactions qu'on avait posées ces jours, tous les actes qu'on a posés ces jours-là, ce sont des actes d'abord, je vais vous relater un truc, ça date de longtemps que la bande Blaise Boula et Mondonga ont géré la chose, le bien public, c'est un bien public. La Sokoda d'abord c'est une société privée et puis coopérative. Voilà que c'est nous, il y avait un comité qui ont fait des réunions et puis ils ont élu Blaise Boula et Mondonga. C'est ces mêmes comités-là qui ont compris qu'il y avait une gestion. Il y avait d'abord les détournements des fonds, ils ont détourné beaucoup d'argent. Ils ont bouffé beaucoup d'argent. Ils ont d'abord mal entretenu la chose publique, le bien public des artistes. Il faut agir d'abord ma réaction à Bissou Ezalaki, ma réaction moi propre. D'abord, on a agi sous la notification il y a huissier. Donc il y avait une notification qui certifiait qu'il faut battre dans ma longue. Et puis surtout venir relative dans la notification de Bimisa Bango. Mais dans l'entretemps, avant tout déguerpir Bango, nous les avions convoqués à chaque fois. On les a invités à chaque fois qu'ils venaient, on va faire table rase, on va chercher à trouver une solution équitable, puisque c'est une patrimoine. Il faut que ça soit bien géré. Nous voulons ce que le musicien, puisque nous les artistes et musiciens, nous les artistes en général, on nous a toujours traités de fous, on nous a toujours traités des margoulins, des mendiants, de n'importe quoi. Alors pour essayer un peu d'éclairer les lanternes, essayer un peu de colonner l'image, on a d'enlever cette image qu'on a mis sur un bateau. Nous devons nous prendre en charge, nous devons nous organiser en sorte que ce qui est le Oyo, monsieur Moukoua Koufito, le Laraka Kate, Maman Olive, Papa Kabila, Télébso, le Kamboyo. On ne va pas comprendre la Sokoda. C'est quoi la Sokoda? Sokoda, c'est le Kola, la partie civile, tout ça, on est dans l'INSS. Donc, papa, qu'on travaille, mais retraite, on est assuré dans l'INSS. Sokoda, ça revient tout même dans l'INSS. Et ça, un bilan social. Artiste, il y a un lobby dans 20 ans, dans un sous-boité. Il y a beaucoup de temps malade, soit dans la fatigue. Sokoda, il faut foutre en bas. Mais ce qui va dire, gérer le coup, il y a un bateau. Gérer un mokito. C'est mon nom, tu vois. Mais surtout agir dans le mokito. Ils allaient qui notifier. Il y avait un huissier. Elle notifie qu'il faut tout déguerpir Bango. D'abord, il y a qui est au Basele, il y a un peu Bango Babima. Basele, bureau, il y a un compte de Bissot. Mais tu peux imaginer que Maman Staba, Beta, Bamjé, Bassal, Jeu, Bakenda, Bimisa, Pendant que le Moura Mayoya, Bafongola, Bakota. Bakota illégalement. C'est ce que les gens ne parviennent pas à comprendre. Bakota illégalement, Djoka. Et voilà que Bissot Siko, Yotosa, Batomayele. Qu'est-ce que nous avions fait? Nous sommes partis voir Batoyo, Bakoki, ayant droit, Baki des droits plutôt, Baki des droits, Bakonziambo, Kato certifié, Bakamunabiso, tout a été planifié, et puis tout a été notarié, notifié. Voilà un peu, c'est ce qu'on avait fait. Donc, actuellement, c'était comme ça. Mais tant que Toyo, Kanakike, rendez-vous, Tokutana, Bango Balinkoyate. Le roi Bali Koyate, Tala, Maman Veve, Banana Bango, Dengue Bazo souffrir. Bissot Peu Bartiste, Tokena, Soukotote, c'est un Bissot Batoyo, Mbelara, chef de l'État. C'est là où on va sur la combe à poto, on va combattre. Alors, il y a un moment là, le chef de l'État, mon Kaza, monte à Boboto. Et bien, vous avez raté que Sokoda et Zali, issus d'une ordonnance présidentielle. Chef de l'État, tout le monde qui est artiste, il y a un cas qui est la binomie. Vous les tombez taillé, Mato, l'OTM, c'est PC, ils sont pour ça. C'est-à-dire, réorganiser la boîte, pour que tous les gens ne pas dans le coin pour les lamingi. Mais tellement que tous les gens, les lamingi, chef de l'État, font mourir les bisous Sokoda. C'est quoi, vous avez dit, vous avez géré Sokoda. Vous gérez bien. Est-ce que vous avez dit travailler au bazar à Sokoda pendant que vous avez les bandes? Comité Wana, vous gérez l'administrateur Wana. Il faut rabattre pendant une année. Dernièrement, Vierwa Télé, au Bomon na TV, à Lingaki à Koufa. Bomon a déclaré à l'lobby ce qui n'a pas fait à Sokoda. Parce que, ayant droit à la société, Tingana Yojoka.
$200 $20 Mais si pas Le vieux roi télé, biso le roi roi télé azali ko lela ki akufi matiki image ma bepo na sokoda aloba ki na biso lo biso na kufi il faut bon lutter pour que loko combat o ngana bandi ezala combat moko ele ka dans les pétrantés ezala en 20 c'est comme ça que to bagino loko la été ba roi télé avant et bima na mort il faut réagir ya moto ke ne ko réagir to benga ki bango ba boy koria to benga ba boy koya kutu il y avait une forte tension ni tété la présence ya l'ambassadeur Wilson monsieur l'ambassadeur de la paix. Mais le monsieur, puisque mon tuto a une attention, est-ce que tout le monde a image ou non? Tout le monde était mécontent. Tout le monde était. Donc il y avait une vélocité. Mais il y a un accrochage, il y a un frère Kanou, il y a une ligne juste. Bon, écoutez, frère Kanou, il était venu, aïe pour Akotan. Et puis il a dit, mon frère, tu n'entres pas. Ça, c'est notre société. L'un de ces quatre matins, tu pourras peut-être revenir étant sociétaire ou étant Moutoulabi.